government is the problem, politics is the problem, not a human being. Human beings love each other. Okay? So. Quel bon. On va se comprendre la gueule. Les salopes. Oui, chers auditeurs et Stanley, rebonjour. Donc, comme il était prévu dans la vidéo, j'espère que vous avez apprécié avec toutes les informations que je vous ai données sur les différents scandales d'État, les mensonges qui ont été faits, ainsi que la faillite suite au Covid pendant ces plusieurs mois. Je vais juste vous énumérer pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, bien entendu, tout simplement les documents que nous avons du mal à nous procurer, parce que ces documents-là sont théoriquement des documents consultables par le citoyen, et malheureusement, ils les ont intitulés, avec un tampon dessus, « confidentiel ». Donc si des personnes détiennent éventuellement, que ce soit des soignants ou autres, ce type de documents, si vous pouvez nous les faire parvenir, ça serait bien. Nous les faire parvenir à qui ? À Stanley, bien entendu, dont l'adresse mail est st, donc comme Sylvie et Théodore, point Schnitzler. Alors je vous l'appelle à nouveau, Schnitzler, parce que t'as pas un nom... Ça sera écrit en dessous. Hein. Voilà, ça sera écrit en dessous de toute façon. Alors schnitzler @laposte.net. En vous en remerciant d'avance, puisque c'est dans le cadre d'une procédure pénale, et toutes les personnes qui ont eu... étant elles-mêmes atteintes de la Covid ou ayant eu des défunts qui ont été donc impactés, il serait bien qu'on puisse les obtenir afin de faire un dossier à charge contre ce que nous considérons aujourd'hui les décideurs comme des criminels. Alors bien sûr, l'anonymat sera totalement respecté pour les personnes qui pourront nous faire parvenir ces documents. Les documents... En l'occurrence, ce sont les suivants. Ils sont, il y en a 4 ou 5, il n'y en a pas plus. En avril 2005, il y a un rapport qui a été fait par l'inspection générale de l'administration ordonnée par Dominique de Villepin, sur lequel il y a, comme je le disais, le sceau et le tampon confidentiel. C'est un document qui est sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en cas de pandémie grippale. Ce document comprend à peu près 160 pages, qui ont été écrites par l'inspecteur général Philippe Sauzet et Chantal Mocher. Il décrit avec précision, une précision d'ailleurs malheureusement prémonitoire, l'effet d'une crise majeure au cours de laquelle la situation économique, l'appareil social et les structures administratives seront durablement perturbées et surtout impactées. Donc voilà, ça c'est le premier document qu'il serait bien qu'on puisse obtenir. Le deuxième document... C'est le rapport du sénateur Paul Giraud du 6 avril 2010 qui s'intitule « Gestion territoriale des crises ». Encore un document, bien entendu, comme je le répète, ce sont tous des documents qui sont classés confidentiels parce qu'il agite par son opacité. Et c'est un document encore plus impressionnant puisqu'il est de 256 pages et il a été rédigé par deux rapporteurs de l'époque de l'IGA, qui sont toujours Philippe Sauzet, on le retrouve dans le même rapport que je vous ai précédemment évoqué, et également un autre personnage que vous connaissez bien, qui s'appelle Florian Philippot. C'est un rapport qui est extrêmement technique et réquisitoire contre l'excessive confiance en soi des administrations centrales et surtout du corps préfectoral. Donc on peut éventuellement comprendre pourquoi il est confidentiel. Néanmoins, je répète, ce sont des documents qui doivent être mis à l'accueil du public et le citoyen doit pouvoir en prendre connaissance, ce qui n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. Et ce rapport qui a été commandé en 2009, il prévenait d'autant plus que la France, déjà à l'époque, n'était pas prête à affronter une pandémie de grande ampleur.
On l'a constaté aujourd'hui, malheureusement, 10 ans après, rien n'a été fait dans le bon sens. Un autre document, alors toujours confidentiel, dont le Figaro en a fait l'écho parce qu'il le détiendrait, mais nous n'arrivons pas malheureusement par le reporter du Figaro l'obtenir, qui atteste que les stocks restent suffisants jusqu'au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2012, ce qui nous permettrait de prouver que effectivement, à partir de 2012, eh bien, la ligne budgétaire faite pour l'achat et le renouvellement des stocks n'existait plus. Dernier document, une circulaire du mois d'août 2013 du ministre de l'Intérieur Manuel Valls et de la ministre de la Santé Marisol Touraine, bien sûr, puisqu'on était à l'époque, qui dit que l'acquisition de ces stocks est financée par des crédits relevant des missions d'intérêt général des établissements de santé, versés par les ARS et correspondant toujours à cette ligne budgétaire. Acquisition et renouvellement des équipements tactiques pour faire face à une situation. Ce qui vous permet justement de trouver cette ligne. Cette ligne, elle s'appelle, comme je viens de le dire, acquisition et renouvellement des équipements tactiques pour faire face à une situation. C'est la ligne qui prévoit un certain budget, même s'il a été arrêté à partir de 2012, un certain budget pour justement le renouvellement, comme je l'ai évoqué, des stocks. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. J'espère que j'ai été assez clair. Avec vraiment le plaisir de vous avoir délivré des vérités factuelles ainsi que tous les éléments dont nous disposons afin de vous démontrer tout simplement la vérité et qu'il est inadmissible pour un pays comme le nôtre, un beau pays comme le nôtre, eh bien, qu'il soit vilipendé et gouverné surtout par des amateurs. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie de votre écoute et puis encore une fois, merci à Stanley qui a été superbe pour le travail qu'il effectue. Merci à tous et peut-être à une prochaine. Au revoir. Government is the problem, politics is the problem, not a human being. Human beings love each other. Okay? So, thank you. 1m il a voté pour Marie Le Pen. Oui, oui, je le dis. Ça va être en pause. En France, c'est pas possible. On va se comprendre dans la gueule. Les salopes. Un grand chef communiste qui s'appelle Télémon. Oui, on réalise déjà. La 6ème République. La 5ème, elle marche pas déjà. C'est bon, il y a un moment pour faire autre chose. Le principe de la réforme, c'est d'essayer de réduire les statistiques du chômage, alors que nous, on demande au gouvernement de trouver du boulot à ceux qui n'en ont pas. C'est une autre logique. J'espère que les gens vont se réveiller. Les masques sont en train de tomber. Tifa, c'est bien ? Je veux bien t'interviewer. Voilà. Poser cette question-là, c'est nous accuser d'être extrême droite. Nous ne le sommes pas. Si, vous la mettez sur la table. Nous qualifier, c'est nous disqualifier.